Sur le Salon des entrepreneurs, nous sommes en compagnie de Stéphanie Perrichaud. Bonjour, bonjour Stéphanie. Stéphanie, vous êtes une jeune créatrice. Oui. Il y a 4 mois, Lily Bricole a vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité ? Lily Bricole, c'est un atelier dans lequel nous donnons des cours de bricolage et de décoration. Nous adressons un peu plus aux femmes, même si les hommes sont bien sûr les bienvenus. Lily Bricole existe à Paris depuis 3 ans. Et par mon ancienne activité, j'étais responsable marketing dans le domaine du bricolage. J'ai été amenée à rencontrer la fondatrice Lily Bricole à Paris. Et j'ai trouvé ce concept vraiment pertinent. Et un an après, je suis retournée la voir pour lui dire que j'étais partante, si elle le souhaitait également, pour ouvrir un atelier équivalent sur Lyon. Un an et demi de parcours parfois semé d'embûches, oui, parfois compliqué. Vous avez été accompagnée pour la création de Lily Bricole. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'action de Actionnel et du CIDF ? Le CIDF m'a beaucoup aidée dans cette création d'entreprise. C'est très très important de suivre les différentes étapes pour mûrir son projet et ne rien oublier. Et également Actionnel en même temps, Actionnel qui est un réseau de femmes chefs d'entreprise ou de femmes porteuses de projets qui m'a accompagnée d'une manière différente, plus en me mettant en relation avec d'autres femmes qui étaient dans le même cas que moi, également porteuses de projets et donc soumises aux mêmes problématiques que moi, mêmes questions que moi. Et ça permet d'échanger sur ces problématiques-là et de se sentir moins seule. Pourquoi avoir choisi justement d'être parrainée ? Je fais partie d'un accompagnement non seulement en antécréation mais aussi maintenant en post-création avec Actionnel et le CIDF et qui m'ont proposé d'être marrainée. Je pense que c'est très important d'avoir le regard d'une personne qui a un vécu derrière lui, une expérience et qui peut apporter son expérience à moi toute jeune créatrice d'entreprise, de gagner du temps et peut-être d'avoir des conseils stratégiques aussi pour mon entreprise et je trouve que c'est très bien d'être entourée, d'être encadrée. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.